Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 sur Sniper Elite numéro 2. On va tout de suite continuer, hein, continuer la partie. À partir de là, j'improvisais. D'après nos renseignements, rien ne laissait supposer que Schweiger était de notre côté. Ce qui faisait de lui un atout potentiel. Je devais le trouver. Un seul problème subsistait. Berlin n'était plus une ville fantôme. Les Rouges avaient percé les lignes allemandes. Et une unité de chars se dirigeait droit vers le lieu où Schweiger était détenu. Les Boches prenaient position sur l'île au musée. Je les aurais bien laissés y pourrir, mais les aider à ralentir les Rouges constituait ma meilleure chance de gagner du temps. Mon plan était audacieux. Je comptais faire sauter le pont en tirant depuis le toit du musée et arrêter les chars en pleine course. Puis, alors que les Boches et les Ruskov s'affronteraient, je pourrais m'introduire en ville. Et tuer Schweiger. Ok, donc on s'introduit sur l'île au musée, on trouve Schweiger, je sais pas quoi avec mon accent de malade, on fait sauter un pont, et on tue Schweiger. Bah, mauvais compris, hein, c'est bon. Ok. Donc j'ai deux points. Donc j'ai qu'un point. Là ça pue. Il y a déjà un petit monsieur là. Plein de petits monsieur là-bas avec un gros boum boum. Ouais. Là-bas il n'y a personne. Si! Ah, il y a un sniper là-bas. Ok, génial. On va commencer par lui. Ah non, trop bas. Oh, sans déconner. Il n'y a pas eu de beau ralenti, mais je l'ai eu. Bon. Je viens de voir une balle qui fuse là. Pourquoi? Il y en a un là-bas. Oui, il y en a un là-bas. On a vu le reflet de la lunette. En plein cœur. Headshot. Oh petit vénard. J'avais envie de faire péter ça. Aïe 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 aïe. Ah purée. Allez, recharge. Mais ils me font mal quoi. Oh, juste au-dessus de ta tête, mais alors toi. Ok. C'est bon là, je suis tranquille. Ouais. Je pense être tranquille. On va voir. Je pense... faire cet épisode en deux parties, ça dépend si la mission dure 40 minutes, comme dans l'épisode 3, enfin même si elle dure plus. Plus personne là-bas. Ah putain, si, il y a quelqu'un. Mais... ta ta ta. Donc il y a plein de cadavres, hein, ils sont tous morts, mais toi, tu te doutes de rien, évidemment. C'est n'importe quoi. Allez, montre-toi. Montrez-vous. Oh, montrez-vous. Oh.
Ah purée, c'est un sniper, évidemment. Oh non. Voilà, à plus de sniper. Bah, je pense qu'il n'y a plus personne quand même. Faut que j'aille là-bas, moi. Par contre, dans les bâtiments. Alors, j'ai vu que je devais chercher des lingots d'or. Je sais pas quoi. J'ai pas envie de les chercher là comme ça. Oh, des munitions et des boum boum. On va descendre. Je pense que là-bas il y a un lingot d'or, mais bon. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis là pour leur péter la tête. Oh purée, une ombre. Je pense que c'est des Russes. Deux tensions, quoi. Je bute son pote. Bah. Oh merde, t'es mort. Hop, oh, bah voilà. Tac. Il est cool votre nouveau sniper. Ah mais c'est pas un sniper, c'est quoi? Si c'est un sniper. Non. Non, c'est un grosse mitraille. J'avais jamais vu alors. Tac. Pour un nouveau sniper, ce serait bien qu'on ait un nouveau sniper en fait. J'espère qu'on peut. Ça me soulève. Parce qu'il est bien, je l'adore, mais bon. J'aimerais quand même. Voilà quoi. Puis aussi un nouveau truc que le Thompson. Avec plus de munitions. Et puis, ah non, surtout un nouveau flingue. Parce que ce machin là, c'est pas possible. Je préférerais avoir un nouveau flingue qu'un nouveau sniper. Et voilà, il s'est endormi. Hein. Oh bah boum. Voilà. Accoudé sur le machin, il pique une sieste. Tranquille. De toute façon, ils font que ça de leur journée. Hein. Je trouve quand même beau le jeu, quoi. Je sais pas en quelle année il a été fait, je me souviens plus. Ah, salut. Faudrait pas que je tire dans l'escalier comme un débile. Alors je vais plutôt m'approcher un peu. Est-ce que je peux le faire péter le camion? Non, je peux pas. Ça aurait été trop bien. Que genre d'ici je puisse le faire péter. Ça aurait été excellent. Aveugle. Toi, t'es un putain d'aveugle. Oh purée. Ok. Ok, heureusement qu'il n'y en avait pas un troisième parce que sinon, c'est quoi ça? Oh! Oh! Mosin Nagant 18-91-31. Superbe. Oh. Y'a pas à dire. Les Russes connaissent leur métier. Oh, oh, oh. Ok, donc pile quand, quand j'y pense, quand j'en parle, boum, on a un nouveau. Ok, bon, moi ça me va. Je veux un milliard de munitions sur le Thompson. Non? Allez, vas-y, quoi. Ah, c'est trop de la bombe. Mais j'aurais préféré un meilleur pistolet. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je peux pas en avoir un. Genre, sous le fauteuil, il y en a pas. Sérieux? Non, il y en a pas. Ah, dommage, quoi. Bon, c'est déjà de la bombe, un nouveau sniper. Hein, je dis pas. Donc, faut que j'aille où, moi, maintenant? Parce que je parle, je... Là-bas. Ah, j'ai hâte de l'essayer. J'espère qu'on verra quand même une différence, parce que... C'est quoi cette musique? Il y a une musique. Ta, ta, ta. Oh purée, garde à vous là-bas.
On va tester le nouveau joujou. Dans le menton. Je voulais en trouver deux en une balle. Oh non. Recharge plus vite, recharge plus vite. J'ai l'impression que la goupille elle va plus vite. Oh non, mais monte ta tête. Sinon je pourrais jamais t'avoir. Ouais, dans le flingue. J'ai tiré dans le pistolet quoi, enfin dans la mitraillette. Y'a un sniper. Oh purée, oui, y'a un sniper. Aïe 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 aïe. Mais vous êtes où? Je sais qu'il en reste un, je l'ai vu. Il est pas mal ce petit sniper. Bon, je vois pas trop de différence, mais j'entends un sniper. Oh purée! On voit à peine sa petite tête! C'est mignon! Oh, j'aurais pas vu le reflet, je l'aurais confondu avec un caillou quoi. Oh purée! Il était au courant qu'il tirait dans la pierre depuis tout à l'heure ou il était juste très con? Allez, wait. Il est au bâtiment d'en face à mon avis. Cache-toi, abruti. Ah, il m'a fait trop mal. Il est où? Aïe aïe, oh oui, bah je le vois bien là. Ok. Il va falloir que j'y aille, mais alors direct, je vise, boum, je tire. Parce qu'en deux balles, il me tue. Oh mince. Ok, là je vois vraiment bien où il est. J'imagine même pas si le sniper est one shot. Ce serait impossible quand même. Non, vas-y, c'est pas juste. Purée. Oh oui. Tiens, va. Il aurait pu me tirer une deuxième balle, hein. Quand même, j'ai eu de la chance. Je me suis dit, bon, on va le tenter, mais... C'est bon, il n'y a plus de sniper maintenant. Je passe par où moi? Par là. Je vais te crever ton vieux échelle. En plus, il était beau ce pont quoi. Et je vais devoir le faire péter. Dommage. Ah oui, on en met deux en plus. Ah bah ouais, parce que voilà. Quoi. Je le sens pas. Ah, chut. Ok, donc là il y en a un qui fait dodo et il y en a un autre là-bas qui monte la garde. Peut-être qu'il n'y en est pas là. Oh yes. Donc toi, bon, tu travailles ou tu dors? Voilà. Et donc toi. Voilà. Alors, comment on fait déjà pour porter les corps? Vite, hein, qu'il y en a un autre qui nous voit là, je sens qu'il y en a plein. Je sais pas pourquoi.
Allez, lâche le corps. Lâche le corps, lâche. Voilà, c'est bien. Ah, marche. Oh, purée. Ah, mais non. Ah, bah voilà. On va se faire repérer parce que l'abruti n'a pas voulu marcher. Non, il a marché, justement. Et ils ont vu les corps. Ouais. Je sens que je vais me faire défoncer. Oh yes. Le flingue qui ne vise pas a visé. Donc, si il a pas prévenu les autres, que les autres ont fait ah, ouais, c'est ça, il y a des intrus, on s'en fout. Je suis tranquille. Voilà, je suis tranquille. Je peux pas les marquer, purée. Pourquoi je peux pas les marquer? Je suis sûr qu'on peut. Dans tous les jeux, on peut, où il y a des jumelles, on peut marquer les ennemis. Coucou. Pourquoi est-ce que j'ai pas un silencieux sur mon sniper? Oh, ce serait tellement bon. Non, je vais pas le tenter parce que si la balle part pas à l'endroit. Pourquoi tu t'arrêtes comme ça d'un coup? Ça me fait peur. Tombé comme une pauvre merde, le pauvre. Ok, il y en a un là-bas. Chut, tu fais trop de bruit quand tu recharges. Non! Wow, d'où il m'a vu? Ok. Execo! Je sais pas ce que ça veut dire. Va te faire foutre. Oh purée. Bon bah là je suis dans la merde. Je pense que là c'est la fin de Keiko. Keiko qui va se faire défoncer. Oh yeah, ça c'était beau. Même si je me fais défoncer, je le ferai de façon belle. Non, non, non. Ça devait arriver. C'est voilà, c'était bon bah. Oh non. Ça devait arriver. Que voulez-vous? Du premier coup comme ça. Fin... Bon. On va essayer de faire mieux. De pas se faire opérer comme tout à l'heure là. Oh, avance. Ça doit être lui qui m'a grillé tout à l'heure. Avance, avance. Allez mon gars, allez mon gars. Il y en a un là-bas. Alors attendez, je peux vraiment pas les marquer. Et il n'y a aucune touche qui me dit pour marquer les ennemis, appuie là, non. Putain, je peux pas les marquer, quoi. Comment voulez-vous que... Mais non, mais... Ouf. Heureusement qu'il y a d'autres tensions, celui-là, parce que honnêtement... Chut, tu fais du bruit quand tu recharges. Referme-la un peu. Bon, là, il n'y a personne, à mon avis. En fait, faut que j'appuie une fois sur Shift pour sortir. Mais alors, si je reste appuyé, bah il se met à courir. Oh, putain. Non. Non. Ils m'ont pas repéré. Oh,
Ah purée, là ils m'ont repéré, comme tout à l'heure en fait, au même endroit à peu près. Non, non, je ne mourrai pas. Bon, bah je meurs. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, écoutez. Je propose qu'on arrête la vidéo ici. Et que je ferai, je pense, une deuxième partie. Parce que ça va mettre du temps, sinon. Alors, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Je pense. Ouais, ouais. La suspense pour le pont, tout ça, je suis désolé. Je pense que la mission va être longue. Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Je vous dis à bientôt pour l'épisode donc 4, partie 2. Ciao, ciao.